Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je ne suis pas tout seul, je suis avec Clémence. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien, Ça va très merci. bien. Première vidéo seule. Oui, Ça y est, la dernière fois vous l'avez vu déjà dans la vidéo avec Miss et Magic Nup où on avait fait le jeu Les gens qui. Et aujourd'hui on revient pour une vidéo concernant les cadeaux de Noël, puisqu'il y a 2 ans de ça je vous avais montré mes cadeaux de Noël. L'année dernière je l'avais pas fait et je me suis dit que j'allais le refaire cette année. Et en fait en discutant on s'est dit bah pourquoi aussi ne pas montrer tes cadeaux de Noël parce qu'il y a des trucs d'univers geek et tout qui vont intéresser les gens. Et bah voilà, comme ça fera plus de cadeaux montrés dans la vidéo. voilà. Et en même temps ça fait une vidéo avec elle et je sais que vous aimez bien les vidéos avec elle. Oui. Donc voilà. Bah déjà j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. J'espère que vous avez bien mangé, que vous n'avez pas trop bu, que vous avez bien digéré, que vous avez été gâté, que le papa Noël a été gentil Tout avec ça, vous. Voilà, voilà. exactement. Et puis bah, on va pouvoir passer un petit peu aux cadeaux qu'on a reçus. Donc il y a des cadeaux qu'on s'est offerts nous, il y a des cadeaux que ta famille m'a offerts, Oui. il y a des cadeaux que mes modos m'ont offerts. D'ailleurs je fais un gros big up à mes modos aussi. On va en reparler. Voilà, et puis on va pouvoir Voilà, voilà. tranquillement. T'as des cadeaux que ta meilleure amie t'a offerts. Voilà, Voilà, bon, exactement. t'as, donc voilà, J'ai un peu de tout. il y a plein de choses à vous montrer. Il y a des trucs geeks, il y a des trucs un peu moins geeks, mais qui sont quand même très cool aussi, qui Des trucs qui n'ont sont rien à voir aussi. Ouais, des trucs qui n'ont rien à voir, mais qu'on va quand même vous montrer dans la vidéo parce que bah parce que vous avez nos cadeaux, tout Voilà. simplement. Donc voilà, on espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu. Il y aura l'Instagram de Clem dans la Oui. description si jamais vous souhaitez la suivre, vu qu'elle n'a pas de chaîne YouTube. Elle n'a pas de chaîne Twitch pour le moment. Encore, Ouais, pour le encore. moment, peut-être que ça va venir. Donc voilà. Et puis bah sans plus tarder, on est parti pour les cadeaux. On commence tout de suite du coup avec le premier cadeau que tu m'as offert. Oui. C'est un livre Zelda. Alors j'ai plein de livres Zelda à la maison, mais celui-là je ne l'avais pas. C'est un livre A Link to the Past où en fait c'est une BD en fait tout simplement. C'est une BD, la qualité est super bien. Bon, Link parle, mais ça malheureusement on n'y peut rien, on est obligé pour Ouais. une BD. Mais donc c'est un livre A Link to the Past, trop bien parce Il est que très beau. oui j'aime trop la qualité des couleurs, des dessins. Il faudrait que je le lise. J'ai pas encore eu le temps bien sûr, mais je vais bien sûr m'y atteler. Et trop cool parce que j'aime trop les petits livres Zelda comme ça. La couverture est trop jolie, donc j'en Mais étais attends, très justement, content. c'est une couverture, mais tu peux l'enlever et... Il y a un autre truc dessous. Ouais, enfin, c'est... Ah ouais. C'est moins joli, disons, Ah mais... je préfère ouais. Ouais. Je préfère quand Il même faut la couleur. savoir, pour ce cadeau, que quand je l'ai commandé, il y avait deux livres comme ça. Il y en avait un autre Ah tu veux dire cette anecdote? qui était tout violet. Donc j'étais très contente de lui avoir pris, j'en avais pris deux. Et en fait, monsieur me dit, ça c'était le vendredi, et le samedi, monsieur me dit, oh trop bien, un abonné m'a offert un En livre convention. en convention. Et en fait, il me le montre. Et du coup, bah j'étais obligée de lui dire, bah Voilà. voilà, c'est un cadeau de Noël. Et du coup, bah C'était au TGS. c'était au TGS, je Donc voilà, crois. si jamais il Et y a un du coup, abonné qui se reconnaît, parce que je ne sais plus le nom malheureusement. voilà, bah, j'ai dû renvoyer ce petit cadeau. Du coup, au lieu d'en avoir deux, il n'y en a eu qu'un. Exactement. Donc voilà, si Voilà. jamais tu te reconnais, toi qui m'as offert ce livre Zelda au TGS, je te remercie encore une fois. Mais du coup, tu lui as foiré un cadeau, bon je pouvais pas savoir. Hein. Non, non, non. Mais voilà, donc c'était assez rigolo quand j'ai appris ça. Et du coup, celui-là, il est trop cool. Je l'aime trop. Oui. Vraiment, il est très très bien. Du coup, moi j'ai eu un cadeau de la part de Julien Oui. quand on était à Londres. Enfin, c'est pas vraiment un cadeau de Noël, c'est un cadeau de Noël en avance parce que voilà, je le Bah parce que voulais je l'ai pris à Londres et à depuis Londres longtemps. on y allait quand en Voilà. novembre? Novembre, ouais. Ouais, début novembre. Donc Du bon coup, là. voilà, c'était beaucoup moins cher entre guillemets qu'à Paris. Du coup, Ouais. bah, je lui ai demandé, enfin, je lui ai pas demandé. Non, Je t'as dit lui oh ai, il est non, j'ai dit, bien. oh, il est bien Je et fais il était bon venu bah allez. chercher. Et voilà, du coup, c'est une palette de maquillage. Voilà, Voilà. calendrier de l'Avent. Mais je lui avais bien dit, tu n'y touches pas Oui, avant le avant. 24, Voilà. 24 Et décembre encore, soir j'ai pour été me gentil. maquiller. Voilà, j'ai dit, t'as été gentil. J'ai été Le gentil. 24 décembre, Le ouais, 24 voilà. décembre, tu as le droit de t'en servir pour te maquiller si tu veux. Mais sinon voilà. Donc la Voilà. petite Ça palette. sent très bon, le pain d'épices, c'est... Ça donne Voilà. faim. En plus de ça, j'ai eu aussi le calendrier de l'Avent aussi, mais voilà, j'ai pas Oui, les profité. chocolats. Et les chocolats, ouais, enfin Oui, c'est... mais bon, Voilà, ça fait partie ça. des Oui, on calendriers n'a de pas l'Avent, sorti les hors... calendriers de l'Avent, c'est vrai Oui, que. voilà, c'est ça, mais c'est mon Donc premier cadeau. le premier cadeau, ouais, Le que tout t'es. premier cadeau en avance, on va Ouais, que dire. t'as eu en Voilà. avance, on va dire ça, Voilà. effectivement. On enchaîne, alors on revient sur un cadeau pour moi que j'ai eu de toi encore une Encore fois. une Alors fois. pour l'instant on enchaîne Que les les cadeaux trucs. de moi. Ouais, il y a beaucoup de cadeaux de toi de toute façon. C'est une figurine pop Dragon Ball Vegeta. Vous le savez, je suis fan de Dragon Ball. Je pense que bon, ça ne se présente plus sur la chaîne. Et j'ai eu donc Vegeta pendant son entraînement, donc dans la salle de l'esprit du temps pour ceux qui voient. Et je la trouve trop trop belle. Surtout que t'as flippé parce que j'ai énormément de pop Dragon Ball à la maison. Ouais. Et il faut savoir pour l'anecdote toujours, j'ai très rarement acheté des pop Dragon Ball. Et en fait, c'est souvent en convention. C'est marrant parce que je vous fais très peu de Dragon Ball sur la chaîne, mais les gens savent que j'aime Dragon Ball et en convention, souvent, vous m'achetez des pop Dragon Ball. Alors, je pense que ça vient du fait qu'en convention, il y a beaucoup de produits Dragon Ball. Et du coup, des fois, t'as des gens, ils me voient Ils et ils se t'achètent disent, sur place, ah, ouais. j'ai envie de lui faire un cadeau. Ah, bah tiens, il y a une pop Dragon Ball, donc je pense que ça vient de ça. Mais du coup, je me trouve avec énormément de pop Dragon Ball et heureusement, celle-là, je l'avais Bah pas. en fait, c'est qu'elle vient de sortir, enfin, elle venait de sortir quand je l'ai acheté, donc en fait, oui, il y en avait très peu parce qu'ils sont partis super vite. Ouais. Et en fait, c'était même pas un cadeau prévu, entre guillemets, c'est que j'avais fait tous mes cadeaux. Et tu l'as Et vu? je vais chez Micromania, je l'ai vu, je me suis dit,
Et du coup, j'appelle Magic Nup, voilà. Bien sûr. Je lui envoie, non, au départ, je lui envoie un SMS, je lui dis, est-ce que tu sais s'il a cette pop? Et il me dit, bah, je ne sais pas. Et du coup, bah, je l'ai prise. T'as tenté. J'ai tenté et bah, je l'avais finalement, pas. J'ai bien fait. Je l'avais pas, voilà. Puis il y a toute une collection derrière. Voilà, c'est très très cool. Un petit cadeau surprise. C'est ça, qui va aller évidemment avec tous les autres, pop. Oui. J'ai une armoire à pop, littéralement. Et vous l'avez vu, de toute façon, dans la vidéo, j'ai vraiment... Combien d'étages de pop j'ai? 2-3 maintenant. 2-3, ouais. 2-3 étages de pop, littéralement. Donc, En plus de toutes les figurines. Ouais, en plus de toutes les figurines. C'est... Et là, maintenant, limite, la vitrine commence à être. Faudrait racheter une vitrine remplie. Pour les pop, quoi. Bah oui, non, mais c'est ça. Il y a trop de trucs. C'est vraiment beaucoup trop de trucs. Du coup, moi aussi, j'ai eu une pop. Bah ouais. Toujours par Julien. Bah voilà, bien sûr. Parce que la plupart de mes cadeaux, c'est Julien. Bah oui. Voilà. Du coup, moi, c'est Arya dans Game of Thrones parce qu'il sait très bien que j'adore Game of Thrones. C'est ça, c'est son Zelda. Voilà, c'est ça, voilà. C'est mon Zelda à moi. Mais du coup, je suis contente de l'avoir. Même si monsieur a fait une petite bourde, je suis très contente de mon cadeau. Hein. Mais il me dit, oh, il n'y avait pas. Ah ouais, alors, ça, il faut en parler de ça. Écoutez-moi, non, écoutez-moi. Vraiment. Moi, je ne regarde pas Game of Thrones, d'accord mm-hmm. Je regarde pas Game of Thrones. Et tu m'avais dit, quand on se baladait et tout, des fois à la Fnac, tout ça, tu m'avais dit, oh, la figurine pop du marcheur blanc, c'est ouais, ça, ouais. Ça s'appelle comme ça, ouais, le marcheur blanc, ok. Et donc moi je vois que c'est un gars qui est blanc et tout machin, je... ok. Mais ensuite quand je vais essayer de lui trouver ça, je ne vois pas de marcheur blanc, mais je vois le Night King. Oui. Mais sauf que littéralement quand tu traduis Night King, pour moi c'est le roi. C'est le roi de la nuit en fait. Le roi. Ouais c'est ça. Non, c'est le roi de la nuit. Oui, c'est le roi donc de moi la j'étais nuit, en mode, fait, bah c'est peut-être genre le chef des marcheurs blancs. Enfin j'y connais rien moi, tu oui, vois. C'est donc... ça. Ouais. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Mais donc c'est pas vraiment le marcheur blanc. Ouais mais bon vu qu'il y en a tellement qu'en fait c'est comme une armée de zombies en fait ils appellent ça en général. Donc ça aurait marché en fait. Mais du coup je suis très contente de cette pop quand même. Oui bah voilà. Voilà mais je au début je voulais jolie, lui prendre aussi comment elle s'appelle Daenerys. Ouais. Mais le problème c'est que enfin déjà t'en avais et elle se faisait dévaliser ouais. Et enfin voilà donc. Mais du coup j'ai eu Arya. Voilà parce qu'on en avait parlé. Je l'avais mis dans ma wishlist. Arya c'est celle qui fait une apparition dans Doctor Who. Oui. Voilà oui. Donc c'est pour ça que je savais que tu l'aimais bien. Voilà. Donc voilà comment elle s'appelle l'actrice? Maisie Williams. Oui voilà c'est ça donc parfait petite figurine pop. Voilà. Cadeau suivant, alors là on est sur un fat truc que je suis trop content d'avoir parce que pour la petite anecdote, on a un ami à nous, Loïc, qui a eu ça en cadeau. On lui a acheté ça en cadeau il y a 5 mois, 4 mois pour son anime. Et j'étais en mode c'est beaucoup trop beau. Et il s'avère que Clem et Memodo sont partis dans l'optique de m'acheter ça. Kérobros et Aurélie. Voilà, Kérobros et Aurélie, on les embrasse, merci beaucoup. Et du coup, ça va finir. Alors vous savez, là il y a encore le décor de Noël, mais ensuite le décor de Noël va partir. Il va y avoir le nouveau décor et tout, je vous ferai une vidéo pour ça. Mais je vais aussi du coup changer un petit peu les figurines, tout ça. Et ça va forcément arriver là parce que c'est beaucoup trop bien. C'est un coffre. Alors là pour l'instant vous dites c'est un coffre, très bien. Et en fait dans ce coffre il y a des rubis Zelda. Oui. Et c'est beaucoup trop beau. Il y a le vert donc pour un rubis, le bleu pour 5 rubis et le rouge pour 20 rubis. Et c'est beaucoup trop bien. Oui. Et je pense que je les mettrai un petit peu genre comme ça. Genre je pense que je les mettrai debout c'est lourd un, quand même. Un petit peu. Ah c'est lourd, ouais, ça passe son poids. Je pense que je les mettrai comme ça et comme ça je les mettrai dans le coin derrière. Et au moins vous verrez le logo Zelda et vous verrez ça et tout. Donc voilà. Donc j'en suis trop content parce que j'avais c'est vu joli, ça. Ouais. Mais quand j'avais vu ça, quand on avait offert ça à Loïc, j'étais en mode bah, c'est trop bien. C'est pour ça quand Kérobros est venu me dire on nous prend quoi comme cadeau, je me suis dit bon. Non mais c'est. Et voilà, c'est donc cadeau très cool. Donc merci beaucoup les modos. Et merci à toi bien sûr. C'est toi qui a drivé tout ça. Oui. Mais voilà, je suis trop content et ça vous allez voir je pense dans les semaines qui arrivent dans le décor parce que c'est trop cool. Et c'est j'aime bien parce que c'est, tu sais, c'est pas en mode trop évident non plus. Mm-hmm. C'est pas genre vraiment une figurine de Link ou l'épée. Ouais. Ou, c'est en mode c'est plus discret, c'est différent et c'est... Moi j'aime bien. C'est surtout plus rare en fait. Ouais je pense ouais. Donc je suis très content. Pour ceux qui sont intéressés, on peut le trouver chez Micromania. Tu fais la pub du truc. Je fais la pub du truc, voilà, c'est ça. Voilà, Micromania, on n'est pas sponsor, mais n'hésitez pas. Du coup, moi j'ai pas du tout eu de livres, mais j'ai eu 2 DVD. C'est vrai. Enfin, 3 DVD du coup. Oui. J'ai eu Game of Thrones, la saison 8, qui vient de sortir et que je voulais absolument. Malgré le fait. Bref, moi je sais pas, mais moi j'ai entendu des choses. Enfin, comment ça? Bah, de la vie unanime, la saison 8, elle est pas. Oui, bah moi je l'ai bien. C'est ce que j'ai compris, voilà, moi. Je l'ai adoré. Moi je voyais Twitter qui pleurait toutes les semaines, quoi. Donc, bon, moi j'ai adoré, voilà. Donc c'est toujours un cadeau de Julien, hein, bien sûr. Toujours, bien sûr. Toujours. Tous mes cadeaux. Ouais, j'ai 2 cadeaux qui sont pas de... C'est ça. Et du coup, les animaux fantastiques, parce que je les avais pas du tout. Et je les avais aussi mis dans ma liste, et du coup, je suis contente. Les animaux fantastiques 1 et 2. 1 et 2, oui. Voilà, en attendant voilà, le 3. Avec le petit. Le nifleur. Le nifleur, voilà. Le nifleur, voilà, bien le sûr. Le petit nifleur tout mignon. Avec le petit nifleur. Du coup, voilà, j'ai eu deux gros coffrets DVD qui sont très intéressants. Bah voilà, au moins là, t'es voilà. Non, mais j'ai c'est... pas de lecteur DVD par contre, donc. Ouais, mais j'ai la Play. Ouais. Techniquement, la Play fait lecteur DVD. Puis de toute façon, il faut qu'on s'achète un lecteur, donc. Voilà. Parfait. Donc du coup c'est encore du Game of Thrones mais. Oui bah comme moi j'ai eu des trucs Zelda quoi, enfin oui, c'est pas. C'est après c'est pas dur. C'est ça. Voilà, c'est assez évident.
Bon bah du coup elle a présenté ses deux DVD d'un coup, donc j'aurais peut-être dû présenter les deux livres d'un coup, mais bon c'est assez différent quand même. J'ai eu un autre livre. Oh là là, quelle surprise. Quelle surprise. Un livre Zelda. Quelle originalité. Non mais cette fois-ci c'est un livre. Alors moi c'est l'encyclopédie pour ceux qui connaissent. Moi j'avais la verte et la rouge. Et il me manquait la bleue. Et du coup la bleue est là. Donc pour ceux qui connaissent pas en fait c'est des encyclopédies. C'est vraiment joli. Hein. Ouais c'est très très beau et je vous montrerai mieux, mais en gros ça reprend vraiment les différents jeux. Il y a plein d'astuces, plein de... Enfin ça t'explique tout en fait. Vraiment là t'as tous les instruments, là t'es sur Ocarina of Time, là t'es sur TP, enfin ça reprend vraiment tout. Et bah voilà, c'est le genre de truc, si vous êtes fan, ça vous explique plein de choses et c'est trop bien. Donc j'étais trop content de l'avoir, c'était le seul qui me manquait. Au moins j'ai toute la collection. Bah je me suis arrangé pour prendre des trucs que t'avais déjà. Enfin, que t'avais pas, pardon. Oui, que j'avais pas, bah oui. Sauf le livre. Mais sauf le livre, la BD ouais. Majora's Mask. Ouais, mais c'est, ouais. Pas, c'est pas, mais bon, c'est voilà. Pas gênant. Du coup, j'ai l'encyclopédie. Du coup, si ça intéresse quelqu'un, je le revends. Contactez là sur son Instagram. Non, mais en vrai, oui. En vrai, oui. Parce que tu l'as toujours, du bah, coup. Bah ouais, je l'ai toujours. Ouais, ils te le reprennent pas. Ouais. Bon, bah oui, rachetez-lui si vous voulez. Voilà. Elle le revend, bien sûr. Ensuite, en dernier cadeau de Julien, voilà, j'ai eu un petit bracelet, oui. Qui est juste ici, mais qu'on montrera on mieux. On montrera mieux. Voilà. C'est un petit bracelet Disney, La Reine des Neiges, de la nouvelle collection, avec des petits flocons et des petits, je ne sais pas, ça c'est bah, un petit cheval. C'est un petit cheval, non, y a pas ça, je sais pas, ouais. C'est un petit sapin à côté, ouais. Là. Qui s'est déjà cassé. Ouais, voilà. Merci, ouais. Il s'est un peu tordu, mais on l'a resserré. Voilà, il l'a resserré, tout va bien, il est très beau, il est bleu, avec des petits... Parce que tu as beaucoup aimé La Reine des Neiges 2. Parce que j'ai beaucoup aimé La Reine des Neiges 2 et que Miss Jirachi avait un bracelet très beau. Et du coup, j'ai fait comprendre à Julien que j'aimais ouais. bien son bracelet. Ouais, du coup, après, je suis allé voir Miss en mode tu l'as chopé où ton bracelet? Tu l'as chopé voilà. où le bracelet? Et du coup, voilà. La petite collection Couture Kingdoms. Bon, Reine des Neiges que j'ai beaucoup aimé aussi. De toute façon, vous avez la review sur la chaîne, mais je crois que vous avez compris, j'ai beaucoup aimé la Reine des Neiges 2. Étonnamment. Juste pour Donald Reno qui chante, hein, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Mais ouais, non, voilà, donc c'était le petit cadeau un petit peu plus. Un petit bijou, j'avais pas de. Un peu plus girly, quoi. À part celui de mon papa, que mon papa m'a offert ici, j'avais pas de bracelet ni rien du tout. Donc bah du voilà. coup, j'étais contente. Voilà, parfait. Le petit bracelet Reine des Neiges avec le grand médaillon aussi, là, qui est. Ouais. Qui est sympa. Parfait. Moi, j'aime bien ce bracelet. Voilà. Il est mignon. Oui. Du coup, on enchaîne et cette fois-ci, on sort un petit peu du cadre geek et qu'on va présenter un truc en même temps parce qu'on a eu plus ou moins la même chose. Oui. On a eu les parfums. Moi j'ai eu le parfum sauvage de Dior. Moi j'ai eu la petite robe noire de Guerlain, Chloé. Et Gabrielle Chanel. Et Gabrielle de chez Chanel. Voilà. Gabrielle Chanel, oui, moi je sais plus. Oui. Et alors vas-y, explique pourquoi ils sont alors, en format comme ça. En fait, c'est pas des parfums normaux entre guillemets, c'est des 33 ml. Parce que c'est mon parrain qui nous a proposé de. Enfin, je sais pas d'où ça vient, mais c'est des. C'est comme les YouTubeurs. Pas des échantillons, c'est vraiment du parfum normal, ça coûte le même prix. Mais du coup, c'est des parfums qui sont pas vendables en magasin. C'est des boîtes, c'est des boîtes, voilà. Et du coup, on m'a proposé d'en acheter. Et puis sur le coup, je me suis dit, bah go. Bah ouais, non, du coup, moi, quand on m'a proposé, j'ai dit, bah pour Julien, voilà, c'était, y avait que Sauvage qui était intéressant pour homme, entre guillemets. Mais parce qu'après, le reste, c'était Lacoste. Ouais. Voilà. Je préfère après, ça. Lacoste sont très bons, hein, voilà. Mais... On n'entrera pas dans ce genre de débat. Mais voilà. Et moi j'ai demandé Gabrielle et Chloé. Et ensuite, par le reste de ma famille, j'ai eu la petite robe noire. Comme Julien a eu deux sauvages, moi j'ai eu. Parce qu'il faut préciser que derrière ils sont 15. Hein, donc, ouais, voilà, c'est donc ça. Donc c'est pour ça que, bon, au bout d'un moment. Voilà, on était, c'est qu'on a été beaucoup gâtés. On va sentir bon toute l'année. C'est ça. Ensuite, j'ai eu un énorme cadeau de la part de ma famille et de Julien alors là, qui participait. C'est tout le monde. On a tous participé. Même si je me suis acheté le cadeau moi-même, du coup c'est un cadeau en avance pendant alors, le Black explique, Friday. Attends, explique, voilà. Parce voilà, que en fait, je voulais un Mac depuis très longtemps. Du coup j'ai dit ce que je sais que t'aimes. Bah c'est pas grave. Je voulais un ordinateur depuis très longtemps. Et, c'est son gros cadeau. C'est mon gros cadeau que je voulais depuis 3-4 ans maintenant. Voilà, elle devait changer de PC de toute façon pour les ouais, cours. Ouais, c'est ça. Et du coup pendant le Black Friday, j'ai vu que Apple faisait potentiellement des bonnes promos. Voilà. Ce qui est pas forcément vrai, mais. Ouais, bon, bref. Voilà, rentrons pas dans les détails. Ne nous mets pas mal avec Apple si un jour ils veulent sponsor. Oui, je me suis pris mon petit ordinateur. Elle le protège encore, hein, genre. Elle le protège encore, c'est-à-dire que voilà. J'y tiens vraiment. Donc elle a eu, voilà, elle a eu le petit Mac, il s'allume. Oui. Tu l'as allumé, très bien. Je l'ai allumé. Mais voilà. Le petit MacBook Air. Toute la famille a participé. Toute la famille a participé, donc c'était vraiment le gros cadeau. Ouais, le méga cadeau qui était très cool. Voilà, c'est ça. Voilà, donc le gros cadeau. Je suis très contente. Pour mademoiselle. Donc c'est un cadeau de moi à moi, indirectement, quoi. Indirectement, ouais, pour l'avoir, pour être sûr de l'avoir. Ça, pendant les offres. Ça. Le truc c'est qu'on n'était pas sûr qu'il allait y avoir des offres à Noël aussi bien que pendant Black Friday. Donc quand on a vu l'offre du Black Friday, on a dit ouais bon, vas-y. Sautons dessus. On prend et ensuite on te rembourse et voilà. Et voilà. Bon, on est bientôt à la fin, il nous reste 4 trucs à présenter. Quatre trucs, donc voilà, ça va aller assez vite. Qu'est-ce que j'ai eu? Alors là on sort encore une fois de la sphère un petit peu geek. J'ai eu
Un gros bocal. Oui. Alors qui en plus fera derrière, une fois qu'on l'aura vidé, ça fera un soit pot à céréales, céréales, biscuits. Donc voilà, un peu de tout. Moi j'aime bien les trucs comme ça. On a un truc à boisson aussi comme c'est ça quoi? dans la cuisine. Corbeille. C'est une corbeille. Le bocal de Noël. C'est ça exactement. Et donc là pour l'instant on a énormément de choses là-dedans. Il y a du sucré, il y a du salé, il y a du chocolat, il y a des bonbons. Il y a des bonbons, il y a de la terrine. Enfin bon, il y a plein de choses. Bien sûr nos amis vegans, là c'est pas pour vous, mais voilà. En tout cas il y a plein de choses pour ne pas perdre les kilos qu'on a accumulés. Oui, pendant Noël, bien sûr. Et du coup, ouais, tu voulais présenter. Et du coup, moi, j'ai aussi quelque chose dans le même genre, mais. Dans l'optique de pas perdre des kilos. Du chocolat. Du Toblerone. Voilà. Voilà. C'est vraiment le meilleur chocolat du monde. Hein. Je veux pas savoir. Dites dans les commentaires. Ah, si dites vous quel team vous êtes dans les commentaires. Le Toblerone, mais c'est vraiment le meilleur chocolat. C'est ça. Du coup, là, c'était la partie bouffe. C'est peut-être la grosse partie bouffe, ouais. Exactement. Et quand j'étais plus jeune, ma grand-mère m'offrait des Ferrero Rocher. Oh. Bizarrement, il n'y en a pas eu cette année. Mais ouais. Je préfère le Toblerone, personnellement. Mais... Ah, en vrai, ouais, ça change. Je suis d'accord. Voilà. Donc voilà, ça, c'est la partie bouffe. Et du coup, il y a quelques semaines déjà, avec ma meilleure amie, on a pris enfin, quelques années maintenant, puisque ça fait très longtemps qu'on se connaît, mais on a pris l'habitude de se faire des cadeaux de Noël en avance. Du coup, elle m'a donné ce cadeau il y a... Alors, explique pourquoi, parce que en fait, parce vous que, voyez ouais, pendant les voilà. cours, et ensuite elle a rentré dans sa famille. Ouais, pendant les vacances, et du coup, enfin, sur Paris pendant les cours et pendant les vacances, elle retourne chez sa famille. Et voilà, on donc peut elle pas s'offre se donner le les truc cadeaux, à la fin des surtout cours. Avec les grèves, tout ça. Bref. Et ça fait plusieurs années. Ouais. Moi, je sais pas que dès qu'on va à Disney, je vois une peluche dont je suis très fan, qui sent très bon. Je pense que vous avez deviné, voilà. Je pense que les gens ont compris et déjà. Et du coup, elle m'a fait ce petit cadeau, voilà. Lonzo. Lonzo, qui sent la fraise. Ouais, ça c'est sent... C'est genre, oh, ah. C'est si bien, enfin c'est Mais tellement... ça c'est fou parce que, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un truc genre il est parfumé à la fraise en fait, vraiment il pour le moment. Est tellement mignon. Mais quand tu rentres dans la boutique Disney, de toute façon, quand tu t'approches tu le sens du truc à peluche, tu sens que ça pue la fraise. Et du coup, elle me l'a offert et je suis très contente depuis le temps que je le voulais. C'est un petit cadeau qui est... Lonzo de Toy Story 3, voilà. Bien sûr. Qui, tu sais que moi, il y a eu un mythe qui s'est effondré parce que, anecdote, j'avais pas vu Toy Story 3. Du coup, quand Toy Story 4 est arrivé, vu que je voulais vous faire une review et que je devais aller voir le 4 au ciné, j'ai rattrapé mon retard et du coup, j'ai regardé Toy Story 3. Mm-hmm. Et j'ai découvert que Lonzo, que je connaissais cette peluche depuis des années à Disney, j'ai découvert qu'il était dans Toy Story 3 et j'ai découvert qu'il était, spoiler, mais bon c'est le 3 donc ça devrait aller, qu'il était méchant. Mais oui il est méchant. Mais c'est ça pas c'est crédible. D'ailleurs avec son petit regard. Mais oui mais c'est pas crédible, t'as un nounours à la fraise. Bah c'est oui. Censé être tout... C'est vrai que l'odeur c'est... C'est vraiment... ça, c'est trompe-l'œil en fait, tu laisses attendrir par le nounours. C'est pas Lotso plutôt. Lotso, Lonzo, ouais Lotso, Lotso, c'est l'eau, voilà. Mais j'adore son odeur. Ouais. Donc, mais j'ose pas le toucher parce que j'ai peur que... Ça peut-être ce que... Si quelqu'un l'a cette peluche depuis longtemps, voilà, de nous dire si vraiment l'odeur part au bout d'un moment. Parce que je pense que ça reste, après si tu le laves ou quoi par contre je pense que ça part. Ouais mais je le laverai pas mais genre j'ai peur que ça parte et du coup j'évite de le toucher. Genre là je l'ai pas touché en fait depuis que je l'ai ouvert à Noël. Elle a une peluche mais elle la laisse loin. Je l'ai laissée dans le elle la laisse très loin. Pour que l'odeur reste le plus longtemps possible donc voilà. Mais j'aime, merci encore à elle et puis voilà. Elle est mignonne. Oui. Et du coup, le dernier cadeau qui est en fait qui est pour nous deux, c'est pour ça qu'on l'a gardé pour la fin, qui vient de tes parents. Oui. On les embrasse, bien oui. sûr. Qui est, attention là c'est gros, qui est un, je crois que vous voyez pareil de l'autre côté en fait, mais qui est un grill multifonction, oui. Donc qui permet de faire de la viande, des légumes, des toasts, des croque-monsieur, enfin voilà, en gros vous pouvez choses, faire quoi. Plein de trucs avec ça, et du coup c'est cool parce que je manque de certains appareils. C'est écrit ici. Ouais, t'as grill, tout. Ouais, non, ouais, barbecue, grill, tout ça. Ouais, ça fait tout, ça fait tout. Ouais. Donc voilà. Donc, c'est bon, c'est et dans la cuisine, je manque de certains petits appareils électroménagers. Au départ, on m'a demandé quel était le mieux entre le livre Zelda, l'encyclopédie ou ça. Je dis, bah, les deux. Bah ouais, donc, prends moi, les deux. Je prends le livre et vous prenez ça, comme ça au moins il y a un truc utile pour nous deux et voilà. C'est ça, donc voilà, au moins un appareil de cuisine, non pas électroménager comme j'ai dit juste avant. Bah, si, en fait, je sais pas. Bon bref, vous nous direz. Mais du coup voilà, encore de quoi faire des bons petits plats. T'as vu, on a démarré sur du tout très geek. Ouais, et on est arrivé vrai, de plus en plus vrai, vers de la bouffe. Bah, la est-ce bouffe. Que ça nous représente pas un petit peu? Non, pas du tout. Pas du tout, moi je mange rien, moi je suis... Tout va bien. Du coup voilà, c'est la fin de cette petite vidéo oui. présentation des cadeaux de Noël. Oui, oui, oui. Ça va, ça t'a plu? Oui, très bien. Bon, bah, j'espère très que... Gâtés. Oui, bah oui, on a été très gâtés pour le coup. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, bah, vous, dans les commentaires, à dire ce que vous avez eu, aussi, pour être intéressant. Voir ce que chacun a eu et tout, ça pourrait être sympa. Puis, plus important, puisque les cadeaux, bah, j'espère que vous aurez passé de bonnes... Très bonnes fêtes. Voilà, de bonnes fêtes, que vous aurez bien c'est mangé, bien profité. Oui, il y a le nouvel an. Mm-hmm. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez bien profité avec votre famille, peut-être si vous les avez pas vus depuis longtemps. C'est vrai que nous, on expose les cadeaux parce que ouais. c'est le truc matériel qu'on peut montrer avec les mains, on va pas ramener en mode ça c'est ma tata et, ouais. et on les ramène tu vois ouais.
Mais on va pas vous faire un vlog du repas de Noël non plus, ce serait un petit peu bizarre. Mais voilà, en tout cas, on espère que ça vous aura plu. Passez encore une fois de bonnes fêtes pour le Très nouvel bonne an. fête. Attention si Ne vous buvez pas prenez. trop. Voilà, ne buvez pas trop, attention si vous conduisez. C'est pas comme Et nous. on conduit pas. Non, on conduit pas, c'est vrai. Mais on boit avec modération, Oui. toujours. Sur ce, merci. J'espère que la vidéo avec Clem vous aura fait Merci. plaisir. Si vous voulez la suivre un petit peu, il y aura son Insta en description. Il y aura ton Twitch aussi, même s'il n'est pas encore actif. Oui, Donc voilà. abonnez-vous. Si vous voulez déjà follow son Twitch, pourquoi pas. Et puis voilà, on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos seul et peut-être avec Clem aussi sur Oui. certains trucs. Si vous avez des choses que vous aimeriez qu'on fasse tous les deux, si vous avez des idées, n'hésitez pas à proposer en commentaire. Et puis voilà. On fait des bisous, Des à bisous. bientôt. Ciao!